Salut tout le monde, ici Deadcake. Aujourd'hui, on va continuer notre série de Conan Exile. Dans le dernier épisode, on avait attrapé un dude. Il a fini d'être apprivoisé. On va y faire une armure. Ça va nous prendre plus de cordes. Donc, si on regarde, c'est une doudette. Ok. Se déplacer, suivre, annuler, ouvrir l'inventaire. Ok. Je peux pas y mettre dans les mains. Wow. Si j'ai dit de me suivre, ok. Bon, en tout cas, on va prendre notre set d'armure. Oh, dropper la corde. On va avoir besoin de deux comme ça. Un comme ça. Prendre un comme ça aussi. Il nous reste 8 de métal. On peut pas vraiment rien y fabriquer avec 8 de métal. Ok. Non, je peux pas rien y mettre dans les mains. Fabriquer ça, fabriquer ça. Ça va y prendre le petit casse de même. Puis après ça, on va pouvoir faire lui. Nous, on va s'équiper de ça. Notre armure est maintenant 31, c'est déjà extrêmement mieux que ce qu'on avait. Manque juste le casse.
Ok. Ça, on peut le jeter, 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 jeter. Jeter ça, jeter ça. Jeter ça, pis ça. Ok. Comme ça marche aussi. Ah, ok. Je sais pas si on y donne avec le bouclier ou si on y donne comme ça. Je pense qu'on va y aller comme ça. Ça. Ça, c'est bon. J'ai aussi fabriqué le couteau pour les pots. Ça va être beaucoup plus pratique quand on va vouloir des pots. Avec le fer qui reste, on va réparer ça. On va y fabriquer son petit casse. Puis on va être prête à partir à l'aventure. Ah, ok. Ça n'a vraiment pas réparé grand-chose, fait que va définitivement falloir aller chercher plus de métal. Donc, elle nous suit toujours, ça, y a pas de problème. On va pouvoir checker ce qu'elle vaut en combat. J'aurais dû reprendre plus de bouffe avant de partir. Ok. Ça, c'est le fameux camp à côté de chez nous. Bon, elle a pas vraiment aidé sur celle-là. Ok, elle finit par attaquer. Peut ramasser les flèches. Ramasser ça.
probablement qu'avec une arme plus rapide puis plus forte. Oh, elle a été maganée là-dessus. Je peux-tu... J'ai l'impression qu'elle va aller mourir. Oh. Ok. Elle aura pas toffé long feu. Je pense que les dommages que je fais s'appliquent à elle aussi, même si elle est dans mon équipe, fait que c'est vraiment pas avantageux de la traîner avec nous. Mais au moins maintenant on le sait. Là on a beaucoup trop de morceaux de corps humain sur nous autres. Drop, drop, drop. Ah, ok. Fait que ce que je vais faire, c'est aller reporter le stock à maison. Probable faire une run de métal, puis je vais... Ah ok tout le monde, on est de retour, j'ai fait une run de métal, je me suis dit qu'on pourrait aller explorer dans le coin ici, je suis jamais vraiment allé voir, donc ça va être nouveau pour moi, en même temps que vous. Là, on dirait que la base de quelqu'un ici... Je profite en même temps pour prendre la peau, je sais pas si on va la garder ou pas. Ok, y a-t-il un toit là-dessus? Ah ok. Bon, fait que... fait qu'on va continuer notre chemin. En même temps, on va essayer de faire le plus d'expérience possible. Oh. Je ramasse les œufs parce que je me suis pris de la chair humaine pure pour me régénérer de la santé, mais j'ai pas pris de bouffe normale, fait que... Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Ça va être parfait pour l'expérience, une caverne. Ah,
quoi? Du soufre. Ok. Je sais pas trop ce qu'on fait avec ça, mais... quand même le ramener. J'espère pas que ça m'arrive dans le dos. Oh boy! Oh my god, c'est quoi le lag? C'était serré, 4 crocodiles. C'était chaud, pas mal. Donc, j'ai fait cuire un peu de métal, assez pour réparer un peu mes affaires. Ça, j'en avais déjà vu. Là j'ai des flèches mais j'ai pas l'arc, ça va bien. Oh, il y a un géant lézard dans le fond. Je suis pas sûr que je peux me battre contre ça solo. Encore une troupe de crocodiles. Ok, on a passé au travers. Notre poids commence à être assez élevé. Je pense qu'on va lâcher ça, puis on va continuer de même pour l'instant. Oh, il y a d'autres soufres ici. Ok, fait qu'une petite caverne, c'est pas pire.
gros mur là. Oh boy, il y a quelqu'un qui est parti en fou puis qui a fait la muraille de Chine. Ok. Oh yeah. J'ai de la misère avec le grimpage. Là, il y a un camp en haut là. On grimpe pas mal moins vite avec cette armure là, par exemple. Flèche. Et là, rien d'intéressant. Sel, ok. Des crocs, je sais pas à quoi ça sert encore. Niveau 1, bon. On va s'en débarrasser. Ok. Pas trop compris pourquoi il était pas mort puis comment il est mort après, mais c'est pas grave. C'est quoi qu'il y avait sur lui? Bon. Des coffres. Il y en a un ici. Oh wow, il y en a du stock. On peut aller la rechercher assez facilement à côté de chez nous, c'est pas plus grave que ça.
Donc c'est par là qu'on veut aller. Oh non! On dirait qu'il y a une autre grosse base là-bas. Bon, on n'a pas vraiment besoin de le dépeceler, ça sert pas à grand chose. Ok, ça c'est une petite île, on va continuer ici. C'est une méchante base en tout cas qui se sont faites. Ils sont collés sur deux camps. On va s'occuper de l'autre camp. Non, il viendra pas. Tu restes assis, dude. C'est tranquille. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Ok. On dirait qu'il y a un autre camp de l'autre côté. Ok, donc ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va définitivement attaquer ce gros camp-là. Petit rappel, si vous voulez joindre mon clan, juste à laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur Facebook, sur Messenger. Puis je vous ajoute, c'est sûr. Donc, ciao!